بي كم ساعة ما تكفيش لكل شيء، مش نحكي فيها هكا الإنسان تحلك في لحظة. Mais donc, et je n'ai dit rapidement des parties, ça ne veut pas dire mouche mouhemmi. Alors, les hommes, comme on va de tolo à l'irm choua. Mais, et n'a pas de rakaz à l'irm mouhem. Donc, les manéhit kal en présentiel, khira. Mais, habbe, je khatr fasa'a, tu dorel, comme les hadiths, tu sais que ce n'est pas important. Quand même, am, le talla à l'cours, fi wak, khatr najam, je suis sa'a, namel comme kolcha. Donc, voilà. Khalil, on a pris en. Donc le chapitre est le fondement de la programmation parallèle. Il présente, il introduit la partie programmation et algorithmique parallèle. On a le parallélisme, fille deux grandes parties. Fille la partie architecture, les machines parallèles. Et donc comme quitter comme aller en choix le parallélisme, comme des détails, je des activités, tu comme ça. Et Khalitel comme des petits détails sur les multicœurs, sur les GPU, en tout cas, il faut connaître un peu les architectures. Je logiciel et la programmation, l'algorithmique parallèle. L'algorithmique programmation parallèle, il y a plusieurs notions à connaître. Je n'ai dit rapidement, mais il y a des détails qui sont les transparents. Alors, on parle de formes de parallélisme. Les formes de parallélisme implicites et explicites, là où tu as beaucoup de détails, mais en gros, la parallélisation implicite, c'est celle qui est faite à travers les langages et les compilateurs parallèles. Le programmeur lui-même, il écrit son code en séquentiel, il le fait passer sur un compilateur paralléliseur et il le voit s'exécuter en parallèle. Un des avantages ou des inconvénients. Il n'est pas obligé d'apprendre comment se fait la parallélisation, mais en même temps, comme les choses se font d'une manière automatique, le compilateur, il se rend compte de toute la parallélisation, du potentiel de parallélisme. Donc, le programmeur, il a la parallélisation correctement, il vaut mieux de l'explicite. Il apprend comment paralléliser. Et il fait ça lui-même. Donc, comme implicite et explicite, ce qu'on appelle aussi manuel et automatique. Et donc, les formes. Les sources du parallélisme. Les sources du parallélisme, il y a des choses. Les sources du parallélisme, quand tu regardes un programme, où est-ce que tu vois le parallélisme? Qu'il y a quelque chose qui se parallélise. Alors, on parle de parallélisme de données, de parallélisme de tâches et de parallélisme de flux. Et le parallélisme de données, c'est lorsque on a une régularité de données, lorsqu'on a un même traitement, un même calcul qui va se faire pour plusieurs données à la fois. On a par exemple une chauffe, une boucle pour i de 1 à n, ou faire un traitement, Oabidou, t de i reçoit a de i plus quelque chose. Une chauffe finale, ce traitement est out pour plusieurs données. Et le parallélisme source, c'est les données qui se répètent. Et ça, c'est le parallélisme, disons, le plus efficace et le plus simple. Alors, il n'y a pas de dépendance. Qui n'est un programme pour i de 1 à n, a de i reçoit a de i plus 2, par exemple, ou à la b de i plus 2, indique des traitements pour chaque i. Le traitement est complètement indépendant de l'autre i. Pour A de 1, n'a rien à voir avec A de 2, avec A de 3. Donc, il suffit de lancer toutes ces itérations en parallèle et on a un programme parallèle. Et bien, ça, ma parallélisme de données. Le parallélisme de tâches, c'est complètement différent. Un petit fichier, voilà.
On est mahafatch les fichiers à l'avance, rattrapera directement. Vérifie comment je vais trouver. Mais ça les finalement bas. Sinon, non, ensuite, autre chose. Désolée, un très pas mal. Je un exercice. Je ne peux pas dire je sinon, tu as donné que tu as fait c'est pas grave. Juste pour faire vite. Ben voilà, maintenant je me suis là. Maintenant, j'ai un programme de ce genre-là. Et donc, c'est des tâches. Et j'ai des instructions. Ce que j'ai mis par une flèche, c'est une affectation. Donc, Rouni, pour pouvoir voir le paradigme, un même traitement qui se répète pour des données différentes. Elina Kali, si je ne l'ai pas écrit, c'est un peu ça. Donc, tout à l'heure, qui colte le parallélisme de données. Mais programme. Donc, à l'heure, quand j'ai parlé de parallélisme de données, je parle de quelque chose de ce genre. Mathalan pour I de A N. Et à l'intérieur de la boucle I, on dit par exemple A de I, donc un peu avec des parenthèses, mais c'est le tableau A de I reçoit par exemple A de I plus 4, par exemple. Donc un tableau, A de Badalou, c'est le. Les valeurs entières. Donc, Rouni, la source de données entières, c'est ce même traitement qui se répète pour i de 1 à n. Donc, il suffit de lancer toutes les itérations en parallèle. J'écris une boucle parallèle de 1 au parallèle et j'ai le parallélisme, je l'exploite de cette manière-là. Par contre, Kinji Rouni fait l'exemple de je parle de parallélisme de tâches. Alors, j'ai des tâches différentes. Il n'y a pas un même, il n'y a pas une même donnée qui se répète plusieurs fois. Donc, oui, le parallélisme. C'est le fait de remarquer, par exemple, que cette tâche-là est complètement indépendante de cette tâche-là. Ma femme a hâte variable qui est la même utilisée là et là. De même, cette tâche 3, elle est complètement indépendante de la tâche 1 et de la tâche 2. Donc, j'ai trouvé une source du parallélisme qui vient de l'indépendance entre les tâches. Par contre, je remarque que la tâche 4 ne peut pas se faire en parallèle ni avec tes 1, ni avec tes 2, ni avec tes 3, puisqu'elle utilise des données, des variables qui sont calculé dans T1, T2 et T3. Donc, source de parallélisme T, il y a une certaine indépendance entre les tâches qui me permet de dire T1, T2, T3, je peux les faire en même temps. Donc, le parallélisme de tâches, c'est le genre de parallélisme qui nécessite le plus d'efforts que la parallélisation T.O. Le parallélisme de données, il suffit, je l'ai remarqué, il y a une indépendance totale. Il suffit de tout lancer en parallèle. Par contre, le parallélisme de tâches, on va voir ça et on va lui consacrer tout un chapitre, juste le chapitre d'après.
Il nous apprend comment trouver les dépendances entre les tâches. Qui vais-je faire? Je fais ma dépendance inégale. Qui vais-je représente un graphe de tâches. Et qui vais-je, à partir de ce graphe-là, j'ordonnance les tâches T1 dans le temps. Par exemple, le carré vers la T1, elle se fait en parallèle avec T2, en parallèle avec T3. Et après, on va faire T4, par exemple. Est-ce qu'on utilise un nombre optimal de processeurs? Est-ce qu'on utilise le temps minimal qu'on a, etc. Un temps parallèle minimal, voilà, par exemple, le temps parallèle minimal, chaque instruction elle prend une unité de temps. Je peux utiliser deux unités de temps au minimum. Je n'ai pas T1 ou T2 ou T3 au même temps, au bas de 4, T4. Alors que le temps séquentiel, il est égal à 4. T1, puis T2, puis T3, puis T4. Bon, on ira ni juste, quand j'introduis Choya, تشوفوا الشابتر الجاي ما يجي ما تفهموها على شنو باش يحكي الشابتر الجاي كله باش يتلهي بالباراليزم دو تاش كيفاش ابارتير دان انسومبل دو تاش اللي هما ديفيني بار لور زونتري اي لور سورتي كل واحد شنو هي السورتي نتاعو هي بيان سور الفاريابل اللي يكتب فيها شنو هي لونتري نتاعو هي لي فاريابل اللي يستعملها كوم انتري ابارتير دي زونتري دي سورتي اي دو تان ديكزيكسيون دو شاك تاش on va pouvoir proposer des exécutions parallèles. Comment je peux paralléliser ces tâches après avoir étudié la dépendance entre les tâches? Donc, je vous fais chanter les noms de l'autre, les différentes versions NRA les plus optimisées. Qui veut, je peux déterminer le temps optimal, à ce temps possible parallèle. Etc. Je trouve des types d'ordonnancement liés on a dit mais le temps optimal, l'ordonnancement au plus tôt, l'ordonnancement au plus tard, par prédécesseur, par successeur, qui veut on peut optimiser les processeurs, etc. Et là, chapitre G. Le col où il y a la source, les sources de parallélisme de tâches. Ben, un cas mais elles sont les sources de parallélisme. Chauffe un parallélisme de données. شفنا الباراليزم دو تاش كي نرجع للترانسبارون نلقاه يحكي لي على ان تروازيام تيب دو باراليزم اللي هو لو باراليزم دو فلو يقول لي على الباراليزم دو فلو يقول لي il correspond à la technique du travail à la chaîne chaque donnée subit une séquence de traitement réalisée en mode pipeline en exploitant une régularité des données. Donc, quitte la régularité des données, le manzou dans le parallélisme de données, elle existe aussi dans le parallélisme de flux. À Mazeda, Haja Ochra, on se base sur la technique pipeline, le travail à la chaîne. Qui veut chever, je n'ai mon âme. Est-ce mon fait, Yamal? T'as pas fait, Olé? Oui, madame. Oui. Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Très bien. Ok, très bien. Mais, خليني نمشي للدوكيومون اللي كنت فيه نعطيو ان بوتي اكزامبل على لو باراليليزم دو فلو خاطر هذا ما عليهمش دي ديتاي في لي ترانسبارون محطوط تو سكي ديفينيسيون ديسكريبسيون ما يا با ديكزامبل دونك جو بروفيت باش نفسرها لكم هون الوغ لو باراليليزم دو فلو l'exemple est alors puisque quand il y a ma régularité de données dis-moi j'exprime la régularité donnée par des boucles et c'est celle qui elle donne beaucoup de données donc pour i de 1 n faire par exemple on dira on dit a de i on est dans des tableaux là on est pour faire vite. Alors, par exemple, on dit A2i reçoit A2i plus, donc, plus 2, il colle.
fois B de I, maintenant. Et tout ça divisé par je mets n'importe quoi, juste hachib hajit ou rabadha. Sur 3. Chan djihouni comme pour. Comment on peut exploiter cette trois opérations successives pour chaque donnée et j'ai une régularité des données. Et on nous parle d'un travail à la chaîne, ce qu'on appelle du pipeline. Le traitement parallèle. Est-ce que quelqu'un voit de quoi on parle quand on parle d'un travail à la chaîne? On va à chaque fois produire A de I avec une succession d'opérations et le travail à la chaîne dit m'a fait que les ouvriers dit m'a l'ouvrier n'a t-il neuf cette tâche y a mal à dire le sahbo. C'est un peu ça le travail à la chaîne, enfin, une chaîne de production. كل واحد يعمل حاجة ويعديها للي بعد ويقول الدنيا اللي بعدها يعمل حاجة ويعديها للي بعد etc. Donc qu'est-ce que vous imaginez qui va se tirer? Les ouvriers. Donc les professeurs. Qui va imaginer trois affectations. L'affectation nous là il y a A de I plus A de I plus 2. بعد الفكتاسيون الثانية هذيك باش تاخو الباتات ملتيبلي بار بي دو اي الأ دو اي الفلانية باش تاخو معناها الديفيزيون معناها شاك فوا باش تاخو الأ دو اي ونمشي لوبيرا دونك اللي تسمي فيه افكتاسيون شنو جو لافكت اشنو ا دي بروسيسور ولا لا وي الكام تاعنا اللي في المعمل سو سون دي زوفريي عندنا احنا سو سون دي بروسيسور دونك ايفيكتيفمون كون جيكسبلوات لو باراليليزم دو فلو جو في با يوتيليزي كيما هوني في الباراليليزم دو دوني حتى كان معناها ماذا بيا يكون عندي ان بروسيسور بور فير لو تو اون اون سول اونيتي دو تان بون عندي اقل نقسم عليهم اما جي بوزوان دو بلوزيور بروسيسور. Le parallélisme de tâches, ça dépend tâches indépendantes. Fallait-moi T1, T2, T3 indépendants, j'ai besoin de trois processeurs et ça dépend du cas. Le parallélisme de flux, le nombre de processeurs n'a rien à voir avec le N. C'est, il a à voir avec le nombre d'opérations différentes qu'on va faire, justement, qui m'a dit, j'ai besoin de trois. Donc, schéma, Alina, je me trouve le travail à la chaîne, c'est le processeur P1, le processeur P2, le processeur P3. Et bien, les opérations qui m'appellent, ou par exemple l'opération heavy, O1, l'opération plus, opération 1, l'opération fois, libadha. Bon. Je ne sais pas à O2, ou l'opération sur avait divisé, je ne sais pas à l'opération O3. Et donc, P1 va toujours être responsable de l'opération O1, P2 responsable de O2, et P3 responsable de O3. Donc, c'est ce qu'on va mettre. P1, dimapcham O1. هذا ديما باش يعمل O2 وهذا ديما باش يعمل O3 أو باش يعملوهم avec différents éléments de données. Donc à l'instant 1, supposons que هذا c'est le temps, disons on va dire à l'unité de temps 1, je vais faire le P1, je vais faire le A de 1, je vais faire disons l'opération O1. Pour quelle valeur de I?
B ou I égale à A, ou elle est? Mais en 1 de 1. Mais en 1 de 1, il y a A de 1 plus 2. Et vous m'azouz, mais je m'y am l'ouchaï à cet instant-là. Juste après, à l'instant 2, je m'y am l'aim. Pardon. En 1 de quoi, p'cha? De 2, bien sûr. Chiamel A de 2 plus 2. Ou au même instant, Reda Chiamel P2. Mais comme je te fais, mon fait, me fait tourner. Madame, madame, il faut le sortir par le process P1 ou P2. Au 2 de 1. Très bien. Est-ce que la bête colle pas, je m'en ai au 1 de 1 ou au 2 de 1? Il faut me faire les opérations, je m'en peux bien, moi, les. Oui. Tu vas bien, Audrey, tu te calmes en même temps, mais je vais te sauter. Qui veut-je te lire? Bon, je suppose que c'est moi. Quelqu'un m'a dit, mais femme, je ne vais pas voir autant de ça rapidement. Hein. Madame, là, je vais te faire ça. Au 1 de I, c'est l'opération, c'est le fait de faire A de I plus le sahit. Donc au 1 de 1, il y a A de 1 plus 2. Au 1 de 2, il y a A de 2 plus 2. D'accord? Mais qui n'aime qu'il va de la. Anna Hiromoni, c'est vous avez dit. طيب بقى هنحطهم بالكبير بعد مع البكر هلا اذا البروجرام خلوه مريكل هكا بس سامحوني في قبل Donc, au 1 de 1, c'est le fait de faire A de 1 plus 2. Au 1 de 2, plutôt au 2 de I, c'est mon I. Et le résultat, on t'a rêvé. On t'a au 1 de I. Soit B de I. Le haut 3 de I. Le haut, voilà, 3 de I. Et le résultat, on parle de quoi là ? Divisé par 3. Par 3. Est-ce que vous avez les opérations en chemin ? Oui. Donc, à la fin de A3 de I, vous avez le A de I. Ah oui. بعد ما كا معناها الريزولتا جديد نتاع A دو إي هذا لا نوفيل فالور غنسميوها حاجة أخرى بربي ها سوبوزون نحسبو في سي دو إي باش تبدا أوضح دونك بعد ما نحسب هذا من ثلاثة باش نخرج سي دو إي دونك احنا اش باش نعملو توا لو ترافاي على شان باش نجيو في الانستون الأول بي أن باش يحسب أو أن دو أن في الانستون الثاني وقت اللي P1 يحسب في O1 دو 2 قلتو لي P2 اش باش يحسب O2 de 1 دو 1 بيان و P3 ما يعملش شيء à partir de l'instant الفلف كلهم يخدموا هذا باش يعمل O1 دو 3 و هي ذا باش يعمل او 2 و هي ذا او 3 دو 1 او 3 دو 1 و هي ذا باش يعمل او 2 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 و هي ذا باش يعمل
أن هذا يعمل O1 de 4 هذا يعمل O2 de 3 وهذا يعمل O1 de 2 ainsi de suite donc etc. حتى لين on aura à un instant donné في الأخر بالكل آخر حاجة شو يصير آخر حاجة عطيوني آخر آخر ستار يخدموا فيه لي تخوا آخر انستان يخدموا فيه كلهم شو يكون عندي انا هي فقط هذي او تخوا يكون عندنا او تخوا بركة يخدم آخر حاجة او تخوا بركة صحيح دونك اخر واحدة هوني بقى بركة شكون او 3 دو 5 دو ان علي 5 عاد باش نو لا في بالي خدينا الاكزامبل 5 اما سينو ان ما احنا باش نعملو دي بوانتيف نحطو لخرا بالكل او 3 اخر حاجة هي او 3 دو ان وهذا مزوج ما فهمتش هكا ولا وي ايه واللي قبلها ان موانزا ان نلقى ان وهوني موانزا ان موانزا انا هاي ان موانزا او ان موانزا هوني ليه عاد لا تتنحى جنة هوني ما فهميش بالكل او ا ان موان ان موان زان غادي في 3 وفي 2 ان موان زان غادي قولوا لي هاد ان موان زان ولا ايه وهوني او 3 ان موان 2 ان موان زان ان موان 2 هكا ولا وي فوالا هذا اخر حاجه هون يا دي بوانتيي بارتو دكاغ قداش بون هذا سي اون انتيسيباسيون اما ميساج خاطر مش نرجعوا لها مره اخرى قداش نجموش نعرفوا لي انستان وقتاش قداش خلينا وقت بورتو فير نجموش نعرفوا قداش عندنا من اليمان هون معناها هون باش نحط الابارتي او ليو دو 4 3 4 5 هذوما قداش لانستون خاطر هذاك سي لونيتي دو طون الاخرانيين توتال ولا في الان بركة نحب نعرف في قداش كملنا كل شيء نحب نعرف لو طون لو طون باراليل معناها احنا مازلنا هوني ما سميناهش اما باش نحكيو عليه من بعد قداش N plus 2 صحيح N plus 2 en tout كيفاش حسبت N plus 2 الأولى والأخرى نحسبوها مع الكور في N مش تو باهي ما نعرفش كيفاش نجم تكون قبل يعطيني الـ N كيفاه كيفاه ليني قبل الأخرى هي اللي تعطيني الـ N plus 2 لا الأخرى الاو 1 دو ان على انستون ان اي جان قال لكم كيفاش تتحسب هذه احنا نشوفوا البرودكسيون وقت اللي بدات تخرج او 3 اللي هي هذه او 3 دو 1 شنو هي هي او 3 دو 1 هي وقت اللي سايي اون ا يو الريزلت تاع الاولى صحيت الريزلت الاولى اللي هي سي دو 1 هكا ولا دونك ملي بدات تخرج سي دو 1 اخر حاجه باش تخرج لنا شنو سي دو ان هذوما اللي حاجتي بهم انا كوم ريزولتا دونك ملي من سي دو ان سي دو ان قداش عندي من يونيتي دو طون ان بلس ان ان بلس ان من الان للان ان بلس ان تحسب ان 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 وعندنا لا بارتي تتسمى دو لاتونس دو بايبلاين لاتونس نتاع البايبلاين معناها الترافاي على الشين عنده ديما وقت مازال ما بدا يخرج في شيء هذيك لا لاتونس
هما اللي دوز سيكون فلاني دوز زوز فلاني صحيح علاش دو في الكا هذا علاش دو دو سي بارابور ا كوا مين جي دو هما زوز الاولانيين هذاك علاش عندنا ان بلس دو في الكا هذا بروسيسور خاطر مبدئيا عندنا 3 بروسيسور البروسيسور صحيح سي لو نومبر دو بروسيسور موانز ان خاطر كان نعمل 4 بروسيسور توا نزيد ايتاب اخرى ما يخرجوا شيء كان نعمل 10 بروسيسور توا فما 9 étape mais harjushai c'est par rapport au nombre de processeurs donc dis mais le temps parallèle bon on y j'anticipe à ma petite schnarkena à temps parallèle à même ici c'est une occasion à ta moche schnarjal ou le parallélisme de flux donc le temps parallèle tp le cas de flux c'est toujours n plus 2 et le p processeur nombre de processeurs moins 1 p moins 1 Donc, dans ce cas, P3, il y a 3 processeurs, ou N plus 2. N plus 2. Autant séquencer le cas des temps, qui nous dit que je suis allé, bon, c'est le cours, mais je nous dit que le cas des temps séquencer, puis je suis mis au T1, c'est le temps d'un seul processeur. Quand est-ce qu'il y a une trade, mais il y a une trade, mais en séquencer Ah, le programme. في الان هكا ولا ان ان فاشنو قداش من احنا كل اوبيراسيون تينيها اون يونيتي دو طون فوا 3 و 3 احنا هوني كل اوبيراسيون حسبناها تاخذ اون يونيتي دو طون دونك هوني عندي 3 اوبيراسيون فوا ان دونك كانوا عندنا 3 ان ولينا ان بلس 2 هذا الكاع اللي عملناه في الكا هذا عدينا من ان طون سيكونسيال 3 فوا ان Un temps parallèle égale n plus 2. Donc, bad, on va définir ce qu'on appelle l'accélération, speed up, S3, et lire le temps séquentiel divisé par le temps séquentiel parallèle. Ça, pitch divisé. divisé par le T. 3. Elle est à peu près égale à Chnaw. Et puis ça, c'est 3n sur n plus 2. Le 3n divisé par n plus 2. On est entre parenthèses. Bien sûr. 3. À peu près égale à 3. Donc, c'est presque 3 qu'elle n'a pas. Cette n kbira, le plus 2, elle est très négligeable devant n. Donc, presque 3. Donc, ça amène à 3 processeurs. On a accéléré le programme par 3. Dis-moi, hack le parallélisme de flux. Il y a 5 processeurs, j'accélère presque de 5. Allez, je vous dis presque, je vous dis que le temps va à l'heure. Je vous dis que je vous dis que le temps va à l'heure. Je vous dis que le temps Mais généralement, on divise le temps presque par le nombre de processeurs. Chnawa l'unité. Kevesh. Unité, chnawa. Unité. L'accélération, match fait unité. Khatr maxim, keni pshnahsib en nombre d'opérations. Pshnahsam ma la bravam, keni en secondes. Pshnahsam ma la bravam. Et généralement, le temps. Le temps c'est en secondes voilà en minutes ama hna ma nhesbouch haka théoriquement nhesbou qadesh min opération donc ana houni hsebt li chaque opération elle coûte une unité de temps donc qolhech l'unité chno kima tnajem tkoun microseconde kima millisecondes kima li yhemni ki naqsem temps séquentiel à la temps parallèle qadesh j'ai accéléré donc kima tnajem tkoun samahni madame sans unité ala khatr t1 li hi tkhou unité de temps Sur le titre 3, sur unité de temps, normalement, je suis pas l'unité de temps l'année. L'accélération, c'est l'unité de temps. Hein? Hey, qui est pas haut, mané, mais j'aime niche, n'est-ce pas l'unité. Mané, qui maintenant, je me compte T1, T3 secondes, qui m'a 3n microsecondes, voilà millisecondes. Quand tu as haka, TP, je te trouve N plus 2, 9 l'unité. Il y a secondes, il y a microsecondes, il y a millisecondes. Donc, bad, qui on dit j'ai accéléré 3 fois, dis, mais j'ai accéléré 3 fois. Quelle que soit une unité de temps, je n'en sais pas, seconde, ou à la minute, ou à la jour, ou à la microseconde, ou à la milliseconde.
ما نعرفش بكشي ما فهمتكش انا سؤالك اما انت تحكي على اليونيتي نتاع الطون نتاع تي ان و تي بي هكا ولا لا اكزاكتومون سي كلير اي ما كي نحكي على الاكسيليراسيون باش تتنحى كيما قلت انت دونك كي تتنحى ما عادش يهمني هو اللي نقول فيه انا هو هكا يحسبوا لا في الباراليليزم كي نحكي ما نقعدوش نشوفوا لوبيراسيون ريالمون قعدت وقت خاطر ما نجمش نعرفها لازمني نعرف الماشين اللي تخدم عليها البروسيسور قداش الفيتيس تاعها تاعو باش نحكي ان فري طون دونك الطون اللي نحكيو بيه هو سي ان طون ابستري محسوب بالنومبر دوبيراسيون indépendamment de l'opération quand est-ce que par le processeur qui nhab n'arf le vrai temps de seconde ou la واحد لازم ني نعرف الماشين نتاعي قد ايش تعمل من اوبيراسيون par seconde وقت نقول لك انت تقول لي الماشين نتاعك تعمل راهي تعمل 1000 اوبيراسيون par seconde وانا الالغوريثم نتاعو فيه 1000 اوبيراسيون وقت نقول لك لو temps est égal à 1 seconde اما احنا نكتبوا 1000 1000 opérations, 1000 unités de temps. Il y a la manière de calculer ce qu'on appelle complexité d'un algorithme ou la temps de l'algorithme ou la complexité en nombre d'opérations. En nombre d'opérations, il y a une chose plus détaillée. Je me dis que l'opération arithmétique, le plus, c'est 3 unités de temps. Le moins, t'es ou 2 unités de temps. Moi, obligatoirement, on estime le nombre d'opérations. À ma estime avec une unité abstraite. Allez, je retiens mes hemnish temps littéraire. Je hemni kader bapt lorsque j'ai parallélisé. Combien j'ai gagné? Du coup, j'ai accéléré 3 fois. Manéha, quel que soit le temps dans le programme séquentiel, n'arrive pas le temps avec abchnax moi la tlefa. Je prends le temps du programme parallèle. Qu'est-ce que j'ai accéléré 3 fois? Ou elle est 10 fois, ou elle est, etc. Donc, l'unité, à la limite, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Il y a un acteur qui a déjà accéléré ou qui a déjà tenté pour faire l'efficacité. On a joué le hambar. Elle est liée avec le temps de. Avec le nombre de processeurs aussi. Mais, donc. Il y a la haja srira, belkol, les amis, les amis, les pour vous donner un peu plus d'idées. Donc, il y a le chapitre. Donc, il y a les sources de parallélisme. Alors, il y a ce qu'on appelle granularité, grain de parallélisme ou degré de parallélisme. Il y a deux notions aussi importantes. Je ne sais pas, la granularité. C'est la taille moyenne des tâches élémentaires qui guident la parallélisation. Je m'en ai, un programme. Supposons un dit programme. D'ailleurs, c'est un amache, un dit exemple, on est à la granularité. Mais un chapitre libre, ce n'est pas grave. Donc, supposons un programme, par exemple, il y a il appelle une fonction de tri. Au bas, il appelle une fonction de produit de matrice. En bas, il y a un filtrage d'une image, par exemple. Et maintenant, je mets l'eau et le col. La granularité, c'est les sous-programmes. Je choisis et tri ou attache. Produit de matrice, deuxième tâche. Filtrage de l'image, troisième tâche. Donc, il y a un programme, trois tâches. Maintenant, je vais voir quelles ces tâches sont combinées comme dépendance à la RAL. Qu'il n'y a pas de dépendance, je vais les faire en parallèle. Et c'est une granularité grosse où on choisit les programmes et les sous-programmes comme étant des tâches. Maintenant, je suis un peu plus fin. On coule le filtrage bid au fil des parties des appels à des fonctions à des procédures le tri bid au fil des appels ou à la fil des boucles كل حاجه منهم ناخذها tâche je suis passé à une granularité plus fine c'est une granularité moyenne on va dire on a carrément
نقول كل اوبيراسيون في البروغرام est une tâche. معناها حتى quand je me trouve كيما في الكام تاع قبيله avec ça par exemple. هذه التاش تي 4 نجم هي بيدها ما ناخذهاش تاش واحده. ناخذ الفوا اللي فيها تاش الموان تاش. كل اوبيراسيون est une tâche. هذه سي لا غرانولاريتي لا بلو فين qu'on peut trouver. D'accord, t'as fait mon feuille ou elle est. Donc les granularités. Oui, oui. Très bien. Donc les granularités, elle est qui t'amène قبل ما نبدا le parallélisme. Et c'est elle qui va après influer sur un deuxième paramètre, est-ce le degré de parallélisme. Je n'ai pas de degré de parallélisme. Le degré de parallélisme, je le définis par la mesure du nombre de sous-tâches exécutées simultanément dans un programme parallèle. Maneha Filpius, le programme parallèle, à un certain moment, on dit trois tâches qui peuvent se faire en parallèle. Le degré est égal à 3. On va dire, on a tâche une tâche qui peut en parallèle. Le degré est égal à 1. Donc là, je vous dis, le degré est fortement, il peut fortement varier dans les différentes parties du programme. Donc, on considère le degré maximal, moyen et minimal. Ces degrés peuvent être évalués statiquement à la compilation ou dynamiquement lors de l'exécution. Et avant de faire le programme, avec une analyse, je nomme les tâches qui peuvent se faire en parallèle, ou carrément, je lance le programme en parallèle, ou je trouve qu'est-ce qui a été fait en parallèle, et c'est à ce moment-là que je décide. Donc, degré, il a une très grande liaison avec la granularité. Khatrena qui nakhtar granularité grosse. Bien sûr, degré, moi je peux checker ça. Par exemple, quand tel comme le tri ou le filtrage ou le produit de matrice, au maximum, je n'ai pas 3, puisque je n'ai pas 3 tâches. Ou qu'un binet en dépendance, mais je n'ai pas 3, je n'ai pas 1 ou 2. Par contre, qui colle tâche, lorsque je prends une granularité très fine, je peux trouver. Donc, une bonne je n'ai pas un degré plus grand si le programme est adapté ou voilà, apte à être parallélisé. Mais, et vihage. Alors, la remarque tawali, maujou d'affi echel transparent, elle est importante. Je trouve la remarque. Je trouve bien que l'exécution d'un programme avec un nombre de processeurs égal au degré maximal de parallélisme soit en principe la plus rapide. Cela ne signifie pas forcément que c'est le nombre optimal de processeurs. Je m'en ai à l'aide. Très bien, de l'exemple, les rituels, fait le parallélisme de tâches. Vous pouvez qu'est-ce que vous voyez comme degré de parallélisme. Ah. Donc, les granularités, c'est un T1. Ou T2, T3, T4. Ça y est, on a la division du programme en tâches. On a 4 tâches. Comment vous voyez le degré de parallélisme? 4. 4, Mané, les 4 tâches peuvent s'exécuter en parallèle. Est-ce que c'est ce que tu penses? Est-ce que les 4 peuvent s'exécuter en parallèle? La dernière va attendre les 3. Non. Oui. Donc, les 3 loulénines peuvent se faire ensemble, ou oui. Oui, en principe. Oui, les 3 premières sont indépendantes. Donc, au premier niveau du programme, on dit un degré égal à 3. Avec un degré de parallélisme, ou le maximum de tâches indépendantes qui peuvent se faire en parallèle. Donc, on dit un degré égal à 3. On bat. Donc, degré, quel 3 ou 1? Donc, degré maximal, il est égal à combien? 3. À 3. Je te dis, il remarque. Le kibda, le nombre de processeurs est égal au degré max, je peux garantir l'exécution la plus rapide. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Est-ce que qu'il n'est que 3 processeurs, on est sûr que l'on a plus d'exécution parallèle rapide?
Est-ce qu'on a très bien 3 اكثر حاجه est-ce qu'on a besoin de 4 processeurs ou le 5 ou le 1000 pour faire plus vite حتى كان ناخذ 1000 باش يخدموا 3 صحيح donc dis-moi le degré maximal هو اللي يعطيني le nombre de processeurs dont j'ai besoin pour exécuter le programme le plus rapidement. Le nombre de processeurs égal à 2, je ne peux pas garantir un nombre, une exécution la plus rapide. Deux processeurs. T1 ou T2, ou la T1 ou T3, ou la T2 ou T3. T1, T4. Donc, un temps égal à 3 unités de temps. Si je suppose que chaque tâche coûte une unité de temps. Alors que qui n'est qu'au nombre de processeurs égal au degré max, le temps minimal, il y a un carré égal à 2. On y a un 1000 processeurs qui m'appellent, un temps plus petit que 2 unités de temps, puisque la tâche 4, donc, il remarque, c'est vrai que qui n'est qu'au le nombre de processeurs égal au degré max, je garantis l'exécution parallèle. Mais cela ne signifie pas forcément que c'est le nombre optimal de processeurs. Je n'ai pas le nombre optimal de processeurs. Et donc, le collera ou anticipation, c'est à chapitre G. Mais c'est des choses importantes. Il me devait un coulul comme je ne sais comme une compréhension du chapitre. Je n'ai pas le parallélisme de tâches. Mais c'est aussi général, puis n'importe quel nawam ta parallélise. Je n'ai pas le nombre optimal de processeurs. Oh, le nombre minimal de processeurs pour une exécution en un temps optimal. Sahid, mané, ahna taouf l'exemple, il y a un temps optimal, ou à deux. Mané, j'aime chnam le khir men deux. Taoua, est-ce que il me faut forcément 3 processeurs pour avoir ce temps-là. C'est le cas heva A. Le cas heva qui n'accuse le nombre de processeurs, manajam chnamel 2 unités de temps. Est-ce que vous êtes d'accord? Avec 2 processeurs, manajam chnamel 2 unités. Obligé chnamel acte. Donc, le cas heva le nombre optimal de processeurs vaut abidou le degré max. Mais, le remarque que ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Donc, on chauffe rapidement heavy l'arché. Justement, un heva li halit ou yahke al hkeye heli. Donc, filka heva le woulen il a titoul comme il a déjà. Et degré honi égale 3, honi égale à 1. Degré maximal égale à 3. Et le p opt est aussi égal à 3. À la khatel, il suffit, je n'ai pas deux processeurs, on aura sûrement un temps plus grand. D'accord? J'ai demandé de donner un exemple avec 5 tâches, par exemple. On a 4 tâches. Est-ce que vous pouvez imaginer un exemple avec 5 tâches où le degré max n'est pas égal au nombre de processeurs optimal? Le nombre de processeurs optimal, imaginez pour assurer le degré max. Et il remarque, je trouve, je suis obligé de prendre le degré max. Je me fais la même tâche, c'est à Martin, ou le T4, je me fais un T3, donc à titre d'exemple. Attends juste, tu m'as fait un tour de ta souris, je les dépendances. T1, T4, T2, T4, T3. Est-ce que vous pouvez imaginer un dessin qui m'a fait 5 tâches et qui donne, qui montre que le. Attends un contre-exemple à le fait que le P optimal est au degré max. Deux tâches, je suis dépendant de T4. معناها ما عندهم حتى ديبوندونس سايبين تاش اخرى عاد علاش زوز هو قالك سانك اليمون هكا ولا تاش اخرى
mais donc نجم ناخذ tâche carrément qui ne dépend de rien du tout. Bon, on a pris un autre exemple. Le cas de comme Hujralt, dit Koltou, je peux prendre une tâche Msaïba complètement et degré qu'on égale à 4, Noiri ou égale à 2. On a pris un autre exemple, le voilà. Donc, on y a dit ces trois tâches. Là, je le construis l'exemple avec le, comme algorithme. C'est lié, c'est un exemple tel qu'on dit les dépendances. Donc, on y a dit trois tâches indépendantes, donc degré égal à 3. Mbaad, les intétamales, la tâche 4 uniquement, elle attend T1 et T2. Mbaad, tâche 5, elle attend le résultat de T4 et de T3. Donc, on y a degré max, il est égal à 3. Alors que, donc c'est sûr, avec 3, là, je m'amène le temps minimal. Le temps minimal est égal à combien, on y a déjà les amis, temps. Trois, voilà. Donc, temps séquentiel, les mots 5 unités de temps. Dima Kadin Nahsbouli, les tâches, le col, le même temps. Mais je dis, pour simplifier. Kadin Nahsbouli, les tâches internes, le col, l'androm, col, une unité de temps. Donc, temps séquentiel fait 5 unités. On y les a mis 3, bchnam, le temps minimal, puisque on dit 4, stanna, T1 ou T5, stanna, T4. Donc, il y a au moins 3 unités. Alors, avec 3 processeurs, c'est sûr que je peux faire 3, un temps égal à 3. Ama, on n'est pas obligé d'avoir 3 processeurs. 2 peuvent être suffisants. Est-ce que vous voyez que 2 processeurs peuvent être suffisants? Oui. Kibesh, les 2 tâches, le ligne très bon. Eh? Avec 2 processeurs. Ben? كي كاملو يمشيو للت... يعني واحد منهم يمشي للتاش 3 صحيح دونك نعمل تي 1 تي 2 من بعد نعمل تي 4 تي 3 من بعد نعمل تي 5 دونك جو غارد لو ميم طون افيك اونيكمون دو بروسيسور افيك يتسمى لو نومبر دو بروسيسور اوبتيمال في الكاه هذا il n'est pas égal au degré max دونك justement on y en montre que avec deux processeurs je peux exécuter 1 2 puis 3 4 puis 5 et donc on termine en un temps égal à 2. Voilà, très bien. Donc, il y a juste Kate degré max et etc. Mais c'est un modèle d'abstraction. Les paradigmes de programmation parallèle, c'est un équipe de programme parallélisme de phase divisé pour paralléliser. Il y a beaucoup de paradigmes. Je ne t'arrête pas directement. En fait, c'est le choix comme Hajam Baat. زيد درجين مش درج درجين ماكسيمام سالش زيد حتى نص ساعة دونك نتعدى للإيفالواسيون دي بيرفورمانس اللي أنا ديجا حكيت عليها شوية مي هوني أون فالا ديفينير ألوغ لوغسكو أون باراليليز أن بروغرام لي زمني أن موايان بور دير جو لي بيان باراليليزي ولا لي ce qu'on appelle l'évaluation des performances du parallélisme. Je parallélise, j'ai bien fait ou pas. Donc, on le fait à travers des métriques, des moyens de mesure des performances. Alors, les métriques, on appelle la femme maroufi, mais je vais insister sur 12 maintenant. Il y a l'accélération, déjà, et on va définir l'efficacité. Pour pouvoir les définir, je vais faire une notation. On va appeler T1 de N le temps d'exécution séquentiel sur un seul processeur. Et on va appeler TP de N le temps d'exécution parallèle sur P processeur. N est la taille du problème, paramètre du problème. Donc, on définit l'accélération comme étant T1 sur TP. Donc, le temps séquentiel sur le temps parallèle. Qui m'a chauffé la troisième sur N plus 1. N a le temps séquentiel, il y aura 10 minutes, ou le temps parallèle, il y aura 2 minutes, 10 sur 2, où j'ai accéléré 5 fois. Alors, l'accélération, entre 1 et P. P est le nombre de processeurs. Lorsque j'utilise 4 processeurs, en principe, l'idéal, le programme à la 4 parties égales,
ما فما بيناتهم حتى ديبندونس هذا لو كا ايديال اللي ما فما حتى ديبندونس بين لي بار بين لي بروسيسور يا با دو كوميونيكاسيون بيناتهم اي ناتيرهم نخلط نعطيهم دي بارتي دو ميم تاي وقت جاكسيلير دو بي دونك لاكسيليراسيون لازمها تكون اكبر من ا خاطر سينا ما عادش تتسمى اكسيليراسيون ولازمها تكون اصغر من بي هذا لو كان نورمال Et plus l'accélération est proche de P, meilleur est l'algorithme parallèle. Pour comparer deux algorithmes parallèles, je trouve que l'accélération est plus le nombre de processeurs. Si S est inférieur à 1, c'est-à-dire que le programme parallèle ralentit. Je connais un programme parallèle, il ralentit. Qui veut que je n'installe plus qu'un processeur, on est le temps. أصغر من البروغرام سيكونسي أكبر بلوتو سما أنا البروغرام سيكونسي اللي بتاعي par exemple يقعد 10 سكوند استعملت أنا 2 ولا 3 ولا 10 بروسيسور لقيت روحي ولا عندي 20 سكوند أكثر كومون سا بو أريفي كيبداو الكل ديبوند من بعضهم انت واحد يقعد يستنى الاخر اي علاش يقعد يقعد اكثر يقعد كيف كيف على ليميت مين ينجم يجي طن زيد شنو فيه لو طن باراليل دابري فو مين جاي شنو نحسبو فيه temps d'exécution dans le processus. Hein? Non, oui. Oh, la définition terre, c'est le temps d'exécution du programme sur plusieurs processeurs. Ah, ma, je peux m'annuer les temps, les filles. Je n'ai pas de traitement ou je n'ai pas de مثلا ناخذ بين العباد انت عندك اون تاش مثلا تغسل الحوايج باغ اكزومبل التاش كي يعملها عبد واحد تاخذ ساعه ينجموا يعملوها زوز عباد يقسموا بيناتهم وتاخذ اكثر من ساعه لا اقل نورمالمون تاخذ اقل فوالا تولي تاخذ اكثر كي تبدا كل وحده ديبون من الاخرى الفان ديكزيكسيون تاع الاولى باش تعاد ليكزيكسيون تاع الثانيه اي علاش تاخو اكثر على الاقل تاخو قد قد تو انا كي نقول لك عندي زوز من الناس باش يغسلوا الحوايج ما واحد لازم يستنى الاخر هذا يكمل يغسلوا الاخر يبدا بعد اون برانسيب السوم تجي لو طون سيكونسي اون برانسيب على القليله نقولوا لو بير دي كا الاكسيليراسيون ايغال ا معناها قد طون سيكونسي قد الباراليل ما وقتيش اون اريف نقولوا سا رالونتي temps temps parallèle carrément plus petit que le temps séquentiel plus grand que le temps séquentiel les performances madame t'as le processeur nombre de processeurs clair je connais le reste interne fiable n'importe où les processeurs qui font bas dans le processeur il est amené en séquentiel les processeurs l'ocrine qui font un effort de performance ما نجمش نطيح البيرفورمانس دي بروسيسور وقت نولي دخلت كاركتر كريتير اخر في الحكايه باش يغلطني. اما حاجه اخرى مهمه. لو طون قلنا هذا المعلومات مكتوبه في الكوب. نبغى طون ديكزيكسيون ياسو لينيير ولا سامع كيف لو طون ديكزيكسيون احنا تو باش نقسموه على بليزيور بروسيسور. كل كو سوا لينير ولا كوادراتيك ولا اكسبوننسيال احنا باش نقسمو واش عندي فيه اما هو كيفاش ينجم كي نقسمو على دي بروسيسور كي نقسم لو تريتمون على دي بروسيسور طون يطلع اكثر طون دا سي كو فما حاجه بعد تحسب طون تاع شنو فيل دو طون مش طون دا طون نسيت مدام ما نتذكر وليتها فيك الزورديناتور نتاع لي جابوني ولا هذه كان نحكيو على لو تيب دو هذه كان نقارنوا في لي في ال في البيرفورمانس انتر لي ماشين
ماشي نحكينا على لي ريزو دانتركونيكسيون بيناتهم هي الحكاية عندها ليزون اما مش ديريكت لشنو يصلح حتى لو ريزو جوستومون اونتر لي بروسيسور علاش كيف يبدا قوي الماشين نقولوا به شنو مدخلو ماهوش بروسيسور هو il sert à quoi فما ريلاسيون مع اللي تقول فيها ما ماهيش ديريكت الريلاسيون انت اللي تحكي عليه وقت اللي وريتكم دو ماشين واحد لي بروسيسور نتاعو اكثر واقوى والاخر performance en général est meilleure. C'est à cause du réseau d'interconnexion entre les processeurs. Justement, à quoi il sert le réseau d'interconnexion? À l'équipe de performant la machine rire. Quand ma femme, je gagne le temps de calcul. Ma femme, je gagne le temps du processeur. Comme attend, erreur de temps parallèle. Le temps parallèle, temps de transfert, ou la marche. Voilà, et ça met le temps de communication. Ahna kayen anna processeur wahed yakhdem ala rouhou, le temps de traitement avec هو le temps séquentiel. Yqsamna entre les processeurs, w ynajm ykoun fama dépendance binaytou. Le temps parallèle chfih, fih le temps de calcul, le temps de traitement avec le qsamto alayhom, mais fama temps ma kaynch mawjoud belkol w tzayd, li هو le temps de communication waqt les processeurs bach yeb3th une donnée aux autres. Tu te rends le حسب avec احنا بنشوف le temps global. Donc effectivement, انا كي ناخذ جزء من الناس ونقسم لهم الحوايج بين بعضهم ولا نقسم لهم ما نعرفش لا تاش نقول انت تغسل وانت تشاركي هما بين هذا يغسل وبين الاخر il va faire le rinçage يقعد ساعه باش يعديه له من البان وهذا للبان وهذا ما عادش ربحت شيء كي يكون واحد برك va tout faire en une demi-heure وانا نقسمها على جوز من الناس الخدمه واحد يغسل باللومو والاخر يشل ويقعدوا بيناتهم واحد في تونس وواحد في المرسى اللي يغسل وباش يهز له يعدي صرنا الوقت الكل سي اكزاكتومون لا ميم شوز كونت il y a beaucoup de communication نربح نجم نقسم لو ترافاي اي سا سا اريف تري سوفون اي سا ميت اريفي افيك دي ميز اتيديون très souvent يخدموا خدمه تاع parallélisation خاطر نخدم في الدومين هذا دونك les étudiants qui font master ou la thèse généralement les sujets نتاعهم c'est de proposer des nouvelles méthodes ou voilà, de parallélisation ou voilà, de paralléliser des nouveaux algorithmes etc. Il y a une très bonne approche théoriquement on voit qu'il a pu diviser le travail ou خاطر c'est pas facile ça تقسم le traitement à la des processeurs en respectant les dépendances. Donc, il y a une bonne répartition. Et on imagine qu'on va trouver de très bonnes performances. Nous avons les expérimentations et on se trouve avec un temps parallèle plus grand que le temps séquentiel. Ça arrive très souvent. À la fin, ils n'ont pas optimisé les communications, les communications entre les processeurs. Ou qui est dans la machine, le réseau est très performant, ça prend beaucoup de temps. Donc, le cas avec de ralentissement, il peut arriver. D'accord. Tawa, il y a ça, je ne sais pas, allez, sur le cas fil. Ou le cas normal, ou le plus répandu, ou le stani. Mais qui ma femme a SP inférieur à 1, on peut se trouver parfois par ce qu'on appelle une accélération superlinéaire. D'accord. L'accélération linéaire, elle est égale à P, au nombre de processeurs. Elle est en fonction du nombre de processeurs, l'accélération. Donc, mes chers, un nombre de processeurs, c'est la partie rose, elle est normale. Bin le 1 ou bin le nombre de processeurs. Aqal mel 1, on ralentit. Akthar mel P, c'est quelque chose de bizarre. كيفاش انا نستعمل مثلا كيما قلت لكم باش نقسم تاش على زوز من الناس تاش تاخذ ساعه نقسمها على زوز من الناس تاخذ لي اقل من نص ساعه ماهوش عادي عندي 4 بروسيسور وعندي ان الجوريثم كي بران معش 16 سكوند ان برانسيب ليديال كون جو ديفيز سور 4 بروسيسور سي دو تروفي 4 سكوند نجم نلقى 3 سكوند ولا 2 سكوند Et bien là, je vous dis que ça nécessite une analyse et une justification. Elle n'arrive pas, ça peut arriver. Et quand ça arrive,
l'explication est autre que le parallélisme. Il faut trouver l'autre chemin, il faut trouver une autre raison qui a fait ce gain-là de temps. Généralement, c'est une optimisation un lien indirect avec la parallélisation. Ça m'est arrivé, puis des algorithmes aussi avec des étudiants. Et on a trouvé les raisons. Par exemple, avec des grandes matrices, généralement, le parallélisme, des algorithmes, complexité N3, on a fait trois boucles imbriquées, on a fait des algorithmes, pour pouvoir prendre des grandes valeurs de N, je ne fais pas le faire avec une parallélisation, avec le séquentiel. Donc, généralement, on arrive avec des matrices, les produits matrices vecteurs, voilà, des images, voilà, etc. Alors, ce qui se passe avec les matrices, maintenant, nous avons un tableau à deux dimensions. Les compilateurs qui veulent sauvegardent un tableau à deux dimensions de mémoire. Généralement, ils le sauvegardent d'une manière contiguë. L'esclave de mémoire. Qui est entité ou un algorithme séquentiel. Fait une matrice, mathalan, 1000 fois 1000. Kbira. Ça y est bien, c'est le cas que je le cas de la mémoire, un espace contigu, faire 1000 fois 1000. Un million de cases. Donc, j'aime le compilateur. فما قبل القدم يقول لك دي بوردمون ميموار وما يخدم لك شيء اما توا لي كومبيلاتور avec les optimisations يقسموها en des petites parties في الميموار ويعملوا حد عند des petites fonctions كيما لي fonctions d'indexation كي يوصل لاخر البارتي الاولى يبدا عنده يعطيه ان سيرتان lien يحسبوا avec une certaine manière باش يعطيه وين حط لا ديبيو نتاع البارتي الثانيه هذا الكل ما يفيقش به الوتيليزاتور كله يتعمل او نيفو دو كومبيلاتور اما سا بران دو تان معناها كي يبدا يخدم الالغوريتم يوصل للبارتي كونتيغو يقف فما اون فونكسيون تخدم وحده باش توريه وين البارتي الثانيه باش كامل يخدم بها هذا الكل ما يفيقوش به هذا تان تزيد على خاطر الماتريس كبيره ياسر وفما حاجه اخرى فما الكاش الكاش اللي فات بور اوبتيميزي لي زاكسي معناها انا كي نحطهم بعاد على بعضهم جو نو غاني با بار رابور ا لونتري سورتي للكاش حتى الكاش تاخذ بارتي صغيره كونتيغو وتربحك ماشي وجاي للرام بيسكو هي ولات بعيده على بعضها في الرام الماتريس كل مره باش تبدا عندك دي زالي روتور للرام هذايا الكل يدخل في الطون ديكزيكسيون دو بروغرام سيكونسيال انت باغ اكزومبل الالغوريثم نتاعك هذا دو ديسيون دو ماتريس ولا دو برودوي دو ماتريس tu l'as parallélisé et tu l'as exécuté sur 100 processeurs ou tu l'as parallélisé d'une manière parfaite معناها نجم تقسمو على 100 parties égales mais بينهمش dépendance معناها en principe تخلط l'accélération égale à p à 100 تجي تخدم تلقى الاكسيليراسيون خير برشا من صار شنو صار يطلع ابار لا ديفيزيون دو كالكول على 100 اللي هي ربحتك في الوقت انت كي عطيت لي 100 بروسيسور عطيتهم لي دوني ما عطيتهمش كل واحد ماتريس 1000 فوا 1000 انت قسمت الماتريس سور 100 بارتي وكل بروسيسور عطيتو البارتي اللي باش يخدم بها دونك كل بروسيسور الماتريس ولات له صغيره ما عادش عنده المشكل هذا متاع تتحط dans un espace non contigu كل واحد تحطت له في espace contigu كل وقت الضايع الكل متاع لي فونكسيون d'indexation اللي باش يهزوني من espace l'espace والا متاع لي ميس دو كاش مع لي ديفو دو كاش تسمى وكلهم تنحى دونك ابار لو غان اللي قسمت الوقت تاع التريتمون سور 100 فما برشا وقت اخر كان ضايع يعمل فيه الكومبيلاتور نحا اي دونك جو مو تروف افيك ان طون ميور هذه لون باغ اكزومبل دي اكسبليكاسيون دي ريزون فهمتوني ولا لا وي اما تولي كل
كل واحدة وعندها الاكسبليكاسيون تاعها، كل حاجة عندها الاكسبليكاسيون تاعها. انا صحيح ما نجموش معناها سي جوست بور فو دير كو سا بو اريفي، سي ان كا بيزار غار مي راهو مش عمرو ما يصير. سا بو اريفي وكون سا اريف لازم تلقى الاكسبليكاسيون، لازم تولي تشوف وين، يا ما تشوف حاجات ميموار، يا ما تشوف دي اوبتيميزاسيون ما ينجمش يعملهم لو كومبيلاتور سيكونسيل ونجم يعملهم الباراليل. فما حاجه زايده على الباراليزاسيون خليت الاكسيليراسيون، ما تنجمش تكون الباراليزاسيون بركه خاطر هي الماكسيموم تاعها بي، مي فما حاجات ليي ليها يتحسنوا ساعات. فوالا دونك سي جوست بور فوز اكسبليكي سا. باهي باش نزيد حاجه اخرى بور لا سيونس دوجوردي وكهاو اللي هي ليفيكاسيتي. L'accélération heavy, ça a deux algorithmes, voilà, trois. Par exemple, les deux, les qui n'ont pas les hommes, on a dit le degré max, ma hoche égale à P opt. Voilà. Les deux propositions, et donc, elle me saura, on y, ou elle a dit tout, elle a dit que trois, je me suis dit en parallèle, ma T4. انا هي خير في لي دو بروبوزيسيون، هذه اللي مصوره ولا لا دوزيام؟ هذه اللي مصوره خير. علي شنو اللي فيها خير؟ est-ce qu'on veut utiliser plus de processeur ولا moins؟ moins de processeur. دونك ماشي هذه اللي خير، هذه تستعمل 3 بروسيسور. هي الاخرى اللي خير هي هذه. Et le fait de mettre des trois au niveau. Ah, kawale, nam le zouz, et la femme. J'enlève heda des trois. On y installe deux processeurs, on y deux. Non, heda graphe, là, on chacun saura l'exécution parallèle. T'as autre fois, le chapitre G avec le diagramme de Gantt. T'as juste une femme. On y est sam zouz, on va zouz, on va zouz. Nam, je crois que les. Les degrés, ils te battent, madame. Les manich n'a qu'à degré. Elle n'a pas de degré. Hey, ils te battent de degré. Hey, hey, 2-2-1. L'exécution est des degrés de battle, d'accord? Un degré maximal, on va dire ma définition de théo, c'est le max qu'on peut faire ensemble. On a dit, mais un athlète, on a joué dans le monde. Ah, mais on y battle l'exécution. On a dit, mais on a joué le degré. On a dit, on a joué le degré. On a 2 ou 2 ou 1. Mais les deux propositions, est-ce que l'accélération est différente? Est-ce qu'en calculant l'accélération, on a je me fie après, on a eu un peu de temps. Normalement, oui. Alors, qui veut que j'aille l'accélération, tu as l'eau, tu as fait. Attends, le temps séquentiel. Achetez le temps séquentiel ou temps parallèle, on appelle l'accélération. Attends, le temps séquentiel. Si je suppose, dis-moi, chaque tâche, on a une unité de temps. قديش من تاش عن سانكتاش دو تاش دو سانكتاش هذا هذو ما لي تاش وما هي من كل سانكتاش دونك ينكتب لي شاك تاش عند اونيتي بتون سيكونسيال هو سانك وتون باراليل proposition la proposition 1, nombre de processeurs 3, et 3 il est égal à combien? Quand l'oulain, il y a les trois, il y a les trois, 1 ou 2, 3.
Voilà, les trois ou fait-il un ticket. Mais n'est-ce qu'à l'exécution, comme c'est mon pays. Oh, c'est mon pays. Ah, le programme séquencé, c'est faire T1, puis T2, puis T3, puis T4, et je vais un programme séquencé, puis T5. Donc, 5 unités de temps. Avec aller, je crois le temps séquencé est égal à 5. Ça, ouais, le programme parallèle. Ah, tu sais, qu'est-ce que j'exécute? Programme parallèle, proposition U. Ah, tu sais, on a un collement, oui, avec cette autre unité de temps. Non, fais le proposition U. T1, T2, T3. T3, T4. T1 et T2. T2. Oui. T3, T4. Et bien, je suis proposition là. Proposition 2. Et bien, même ça, on aura ta. Oui, T3, T4. Et T4. Oui, T5. C'est ça. Donc, 3 unités de temps. Ah, ça va aller? Oui, il faut la proposition de l'autre. Éveillez la proposition de l'autre. Ça va être l'autre. Donc, comme l'autre, l'autre. Et les propositions. Le processeur égale à la. Pas des nombres de processeurs 2, fait la proposition 2. Ah, quand elle est. Oui. Tant que ça m'y fait 2, pas très simple. Il est égal à 3. Donc, l'axe de la calculation, ça m'y a S2. Il est égal. Pas des. Je vais te faire de l'accélération. T3 sur T2. C'est toi, temps séquentiel sur temps parallèle. Comment? Donc, 5 sur 3. 5 sur 3. Il est égal à 5 de 5 tiers. Le carré. A-t-il une proposition 1? A-t-il ce temps? Le T1 et T2. T1 et T2. 2. T1 et T2. Nombre de processeurs égale 3, où elle est? 3. T1, T2, T4, T3, T5. Mais je merde. T1 et T2, puis T4. ما كنتش نسمع فيكم بالكل لو لي كنت ما جاوبني حد نحلم بكري نجاوب اي وين
ماتش بهم حد ما عاد يجاوب فيا باش قلتوا لي يا ريزومي تي 1 اي تي 2 puis T4, puis T3, puis T5. Donc, pas des chutons. 4. Alors que les deux programmes n'ont pas la même performance. Quand la différence entre les deux propositions, mais je fais tant, on y fait l'utilisation des processeurs. L'occupation des processeurs. L'accélération de fi. Il y a un manéquité ou le farc binet, moi je fais tant l'accélération de fi. Donc j'ai besoin d'une autre métrique. Où on est besoin de savoir l'efficacité, efficiency, elle est l'accélération divisée par le nombre de processeurs. On aime l'accélération grande, on aime le nombre de processeurs le plus petit possible. Donc, on ne sait pas, on ne sait pas faire. Donc, on aime l'accélération, on est S3 divisé par nombre de processeurs. Donc, c'est la proposition 1, Tatini 5. Sur 9. Ou fait la proposition 2. 5 sixième. 5 sur 6. Plus l'efficacité est proche de 1, plus elle est meilleure. L'efficacité est à 1, puisque l'accélération est à 1, et nous sommes à l'EP. Donc, dis-moi, l'efficacité, dans le cas normal, est inférieure ou égale à P. L'idéal, c'est d'avoir P. Et plus elle est proche de P, de 1, plus elle est meilleure. Je n'ai pas le sens de l'efficacité. L'efficacité est tatina. T'as aucune bad qui t'aime. Tatina, le taux d'utilisation des processeurs. Fait l'exécution du programme, pas dès que ça amène les processeurs. Or, je vous remets la tasse. On va faire après des diagrammes de Gantt, mais c'est juste ce trail. Imaginez les trois colonnes ou des processeurs. Tu vois, il faut faire le curseur. Les trois. Les manières horizontales, verticalement. Il y a trois colonnes de processeurs. Qui peut cool et col je me bats de la façon juste pour faire mon. Le processeur rêve qui est le plus à gauche. Je suis amel T1, on bat je suis amel T4, supposons bat je suis amel T5. À toi, allez. Ou le processeur rêve qui est amel T2, je suis amel bat. Je suis amel T2, quoi? Hatcha, mais quand même, ou T3, mais quand même, il y a amel chat. Donc, les trois processeurs, ils sont réservés tout au long du programme. On les a réservés, les trois processeurs. Maintenant, je n'ai pas le programme, je libère des processeurs. Quand on commence un programme, tu vas utiliser trois processeurs. Donc, les processeurs il est utilisé pendant les trois unités de temps. Les deux autres, ferri. Donc, il y a qu'il y a le taux d'utilisation des processeurs. Kadish, on a rechma même, t'as qu'un nom le diagramme de Gantt, t'as fait moni akfer, mais juste haoul ou t'as fait moni. On sait où les flèches, hein, on sait où les flèches. انا هوني كنت نجم نستعمل البروسيسور هذا بروسيسور 2 وهذا كنت نجم نستعمله في اليونيتي هذه نعم هذا اما هو مش يوتيليزي هكا ولا وهذا كيف كيف شمنا فيه الفلاش توا ناخذ في لي كولون انا كاينه كل كولون هي بروسيسور Est-ce que vous pouvez faire mon fait, je crois, d'un oxyde, le processeur 1,
يعمل T1 بعد T4 بعد T5 ça va il est utilisé tout le temps. Le processeur 2 يعمل T2 من بعد فما بقاتين فارغي. Le processeur 3 يعمل T3 من بعد فما deux places فارغي. Qui نحسب le taux d'utilisation du processeur. هنا عندي 9 emplacements. قداش منهم من emplacement مستعمل؟ 5 5 هذيك هي 5 9 هذيك هي l'efficacité 5 9 معناه il est utilisé 5 9 du temps dans lequel معناه les processeurs sont utilisés les 5 9 de leur disponibilité capacité ou disponibilité madame l'unité de mesure نتاع l'efficacité صحيح كاين réservitهم pour 9 unités de temps استعملت منها كان 5 كان تشوفوا توا الثاني توا تلقاوه في بارتي واحدة مش مستعملة كان شوف لا دوزيام بروبوزيسيون كيفاش هي دوزيام بروبوزيسيون دو بروسيسور بركة دونك هذا ما فماش هذا ما فماش وهذا مستعمل هوني البروسيسور يعمل تي 3 فما واحدة اللي يوتيليزي 5 فوا سور 6 هذه برك مش مستعمل هذيك هي 5 6 avec le taux d'utilisation des processeurs. Donc, moins j'utilise le processeur, plus le rendement est bon. Donc, tu as dit que tu fais les transparents, Paul, comme les deux métriques, femme a une mohamme à l'utilisateur, l'accélération, et puis c'est un peu plus de temps, le programme est dur à cela. Alors que le... Voilà, l'efficacité. Et donc, on a des exemples. Je me trouve. D'accord. Madame, on a une unité de mesure, l'efficacité. Je m'en ai une unité de mesure. Unité. Par temps, par seconde, la milliseconde. Non. Les accélération divisée par un temps. Moi, accélération, l'efficacité. Hey, l'efficacité, elle est définie comme étant l'accélération, les mandats, hâte unité. Divisé par le nombre de processeurs. Donc, l'accélération m'a dit que c'est unité ou l'autre c'est un nombre, un date unité entier. Madame, allez, je l'anglais, on parle l'efficience ou l'efficacité. Le français, tu as l'efficience. Efficiency, mais je l'efficience. Efficiency. Oui, Rita, efficience. Mais le français, c'est efficacité, efficience, toi, non? L'aile, efficacité. Accélération ou efficacité. Efficiency, l'anglais. Speed up ou efficiency. Avec l'appellation utilisée. On m'a dit que c'est l'appellation anglophone. Maroufa Akfer, les articles ou les en anglais. On m'a dit que je vais faire une traduction française. Ils les scientifiques, le col, le domaine, ils utilisent la même chose. Donc, est-ce efficacité? Hey, t'as-tu un pourcentage? Quand il y a l'unité de mesure, t'as-tu un pourcentage? Un petit qui te telqa, mafalan, un demi l'efficacité, coule donc 50%, que te telqa, moni. Le 1 mané 100%, ou 0 mané 0%. Qui telqa une efficacité égale à un demi, mané les processeurs sont utilisés à 50%. D'accord, qui tel qu'à deux tiers, mané, ils sont utilisés à 66,666%. Avec un sens donc, à un certain moment, fait les transparents, a tel comme remarque, col, madame Chouin, je sais pas où il a tel comme en tout cas, l'utilisateur s'intéresse surtout à l'accélération. L'acheteur de la machine s'intéresse beaucoup à l'efficacité. Le développeur s'intéresse aux deux, surtout qu'il est d'ailleurs devant sa propre machine. Je m'en ai. Quel est l'utilisateur devant la machine qui est en train de faire l'accélération. Je vais utiliser 1000 processeurs et je vais les faire. Le plus rapide est le programme. Qui est en train de faire la machine qui est en train de faire la machine ou il va la louer عنده جريد باش يكريها للعباد ولا باش يخدم برشا ناس الى انتيغي انه كل واحد كي يستعمل لو ماكسيموم لي بروسيسور مش ياخذهم يستعملهم يخليهم راقدين سي سا ليفيكاسيتي معناها لو رابور انتر لاكسيليراسيون و لوتيليزاسيون
Et le développeur qui il développe sur sa propre machine, il a beaucoup de programmes, mais il accélère, mais il utilise convenablement les processeurs. Il a programmé les processeurs. Donc, il peut utiliser les deux à la fois. Donc, on a dit comme un exemple, un calcul réel, la matrice, maintenant, on va faire comme rapidement, on est à Ali. Maintenant, on a l'algorithme A qui fait en séquentiel 10 minutes, je l'ai programmé, parallélisé de deux manières. La manière où tu as 10 processeurs ou tu as 2 minutes en parallèle, ou tu as uniquement 3 processeurs ou tu as 4 minutes. Okay. Je compare en regardant l'accélération. Heavy time 10 sur 2 accélération 5 fois ou heavy 10 sur 4 accélération 2,5 fois. Bien sûr, le bleu est nettement meilleur, le A est nettement meilleur, il accélère le double mental B. Amahed, à quel prix il a utilisé comme 10 processeurs alors que Heavy n'a utilisé que 3. Donc, il chauffe l'efficacité. L'efficacité est 0,5, 50% des processeurs sont utilisés, ou 0,8, 80%. Donc, c'est à moi de choisir. Qu'est-ce que l'accélération pour faire A? Qu'est-ce que l'efficacité pour faire B? Donc, c'est un compromis. D'accord? Oui. Ok, très bien. Donc, bon, Israeli, c'est bon, on va s'arrêter là. On va maintenant presque deux heures, merci, un quart d'heure. Donc, on va